Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur les Lucky Pets Lampe d'Aladin. Donc j'en ai encore 4 à déballer et je voulais le faire avec vous en vidéo. Allez, c'est parti! Donc là j'ai déjà 14 pet shops, il me semble qu'il en manque 4. Donc j'espère que ma théorie des numéros sur la boîte va marcher et que ma collection va être terminée aujourd'hui. Donc on va découvrir ça ensemble maintenant. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas vu les vidéos sur les lampes d'Aladin, j'avais fait en fait une checklist par rapport aux numéros des boîtes. Donc les numéros ils se trouvent ici, donc juste là. Là on voit que c'est le numéro 8, je sais plus du tout ce que j'avais eu comme numéro, mais de toute façon j'ai tout noté du coup sur la checklist. Donc je propose qu'on déballe le premier. Donc peut-être qu'ils étaient déjà ouverts quand je les ai achetés, je sais plus du tout. Donc là je suis trop contente, c'est le petit caniche orange, donc j'avais déjà le violet. Trop bien. Pareil, hein, on a toujours la checklist. Je voulais juste voir combien il m'en manquait. On va voir, on va continuer l'unboxing. Donc voici le petit caniche orange. Je ne l'avais pas, donc je suis trop contente. C'est Razzle. Donc je mettrai pareil les noms en bas à droite de l'écran. Parce que je suis un peu nulle en prononciation. On continue. Donc là, c'est le numéro 11. Donc c'est le premier de la liste, enfin c'est un ultra chanceux celui-ci, trop contente. Il est trop beau, il ressemble à un petit citron vert, trop mignon. Donc celui-ci s'appelle Asie, trop contente. On continue avec le numéro 10. Yes, le deuxième poisson, trop contente. Fluky, Flukey, je sais pas comment on dit. Et le dernier, c'est le numéro 9. Donc normalement, logiquement, il doit m'en rester un. C'est l'ornithorynque qui me manque. Et bingo! Trop trop bien. Donc ça fait un moment que je les avais, mais en fait je me disais que il m'en fallait minimum 4. Pour faire un unboxing, parce que sinon forcément il y allait encore en manquer un. Et du coup je suis trop contente parce que ma collection de Lucky Pets Lampe d'Aladin est au complet. Donc je suis trop trop contente. J'en ai vu sur Vinted pour ceux que ça intéresse. Même moi j'en ai en double, donc je vais aussi les mettre sur ma page Vinted. Donc voilà, je suis trop trop contente. Donc vraiment c'est une collection que je pensais pas aimer, déjà parce que c'est des mini pet shop, c'est pas des normaux en taille. En plus de ça les couleurs sont assez criardes je trouve, enfin ça représente pas trop les couleurs naturelles des animaux, mais au final j'aime bien. Ça peut ressortir sur les photos, donc c'est un petit plus. Mon préféré dans tout cela, ils sont tous beaux en fait. C'est difficile. J'adore cette forme de pet shop parce qu'ils me font penser à mon chat. Donc j'aime trop. Celui-ci, j'adore la couleur bleue et puis c'est un petit oiseau trop mignon. Ensuite, l'ornithorynque là, je le préfère au violet. Enfin, les couleurs sont plus neutres, j'aime mieux. Et celui-ci, il est super mignon. Ça fait un peu jaune citron, enfin je sais pas pourquoi ça me fait penser à un citron, mais c'est pas grave. J'ai oublié de vous préciser le nom du deuxième ornithorynque, c'est Merlin. Donc c'est trop bien comme prénom, j'adore. Je vais vous montrer les ultra chanceux. Donc c'est celui-ci et celui-ci. Divine pour le chat bleu et Asie pour le jaune. Pour les super lucky, nous avons ce petit caniche. L'ornithorynque violet, donc Razzle, Fortuna, Lota et Wispy, ce sont les super lucky. Et du coup le reste sont les lucky normaux. Donc Strassi, Juno, Shills, Tarot, Pocus, Merlin, Morgan, Twixie, Flucky, Presto et Zizzle. Donc voilà, je suis trop contente. La collection Lucky Pets Lampe d'Aladin est terminée. Donc dans les Lucky
J'ai presque toutes les collections au complet, donc Hungry, Thirsty et Lucky Pets. Il m'en manque juste deux dans les Hungry Pets de la vague 3. Malheureusement, j'en trouve pas sur Vinted ni sur Le Bon Coin. J'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas eu énormément de vague 3, donc je suis un peu dégoûtée. Donc il m'en manque deux pour du coup avoir toutes les collections au complet. Donc voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que cet unboxing vous a plu. La vidéo sera peut-être courte, je m'en excuse, mais j'avais que 4 pet shops à déballer. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour sur Instagram. Je posterai bien sûr la checklist avec les numéros des pet shops sur mon blog lisaristochat.com. Je la posterai aussi sur mon Instagram. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous!